Responsable plusieurs organisations dans la société civile là rencontré quelques sénateurs après-midi mercredi à sous situation politique là. Sénateur Francisco de la Cruz qui était participé dans Chita Palisa souligné responsable organisation ça yo te vle tande opinion parlementaire sur vote amendement loi électorale là qui bloqué dans Sénat. Dirigeant yo souhaité sénateur yo voter loi ça pour débloquer processus électoral là. Sénateur Francisco de la Cruz dans micro Eddie Jackson Alexis à Colin Ildorest. Non, il y a pas été venu juste pour une communication parce que c'est normal tout secteur de la vie nationale qui a une chita avec le Parlement, le Sénat de la République, les gagner des situations spéciales pour nous voir comment on est capable de nous sortir. Et je pensais que c'est dans le même dialogue, dans le même dialogue là qui fait que des villes là, comme société civile, des gens qui concernent par la réalité politique également, et par peut-être tout est préoccupé. Et au même tout, qu'on le veut ou non, ce sont des acteurs quand même quand ce n'est pas des acteurs, nous avons dit qui viennent pour être directement comme sénateurs ou bien des partis politiques, mais ils ont leur mot à dire également. Madame, donc, vous n'avez pas d'exprimer. Non, vous êtes venu, c'est juste que vous êtes capable d'exprimer les préoccupations et ouais, comment nous-mêmes, comme corps, nous sommes capables d'essayer d'arriver, joindre un consensus pour le vote de l'amendement de la loi électorale. C'était ça pratiquement l'idée centrale de cette rencontre. Donc, et c'est dans ce sens-là que nous avons essayé, même nous comme sénateur, sensibiliser d'autres sénateurs pour que nous recommandions de faire voter la loi électorale, mais avec condition tout en tenant compte des préalables, vous voyez, qui nous avons dit qui est important, qui est fondamental pour que définitivement. Nous avons élection qui va organiser, inspirer confiance. C'est ça, préalable, ça, oui, sénateur. En préalable, c'est que puisque nous déjà connaissons un problème qui est posé au niveau du conseil électoral là, nous déjà connaissons par exemple l'élection qui a été faite pour une prise de conscience du côté de l'exécutif pour que ça ne passe pas. Et maintenant, certains sénateurs, naturellement, nous-mêmes, nous sommes tous préoccupés puisque nous voyons comment le pays a dirigé. Il y a des manifestations, peut-être il y a des actions qui sont faites de manière illégale, ou bien il n'y a pas vraiment justifié. Vous voyez, donc ça c'est des inquiétudes quand même. Combien de sénateurs vont participer dans la vote? Nous avons environ 10 sénateurs, si je me rappelle bien, bien sûr, 10 sénateurs. Ça veut dire c'est pratiquement qui était très représentatif. Puisque ou des sociétés civiles l'ont amendé nous pour amender l'OIDE? Non, non, il n'y a pas amendé. Non, non. Il n'y a pas amendé nous avec qui autorité, avec qui droit. Et même, comme je dis, eux-mêmes, ils sont capables toujours, même si ils ont fait lobbying, le loyer, ils sont capables de parler avec nous pour nous voir qui ça a gagné, qui a gagné, qui fait que pas gagné votre là, ça n'a pas cherché. Et puisque le président lui-même, il parlait de rencontre avec d'autres secteurs, peut-être 20 secteurs, paraît-il, il a été rencontré même Tagadi Kouchlio, même Kamal Lio, consortium là. Donc, quand on a parlé, etc. Donc, probablement, il y a un contrôle de société civile là. Donc, société civile là, tu as bien aimé qu'on ait qui préoccupation par nous pour que nous-mêmes, il y a parlé avec le président définitivement, puisque le président a une adresse, il a présenté le 18 novembre pour nous connaître qui adresse à la nation. Ça veut dire que tout le monde a fait le moyen pour comment on éviter dirigé par décret et par décret. Mais par contre, ça qui nous dit, c'est que nous pensons que, parce que le président a compté ça tout, probablement, dirigé par décret. Pour faire froid, qui sont pour aller chercher exactement, est-ce que c'est pour faire le jeu des autres ou bien pour faire mon propre jeu? Je me dis mon propre jeu, pendant que je vais me défendre l'intérêt, ou bien conseiller avec moi, j'ai intérêt par eux, ou bien je vais dire clic, j'ai intérêt par eux, et puis vous-même, vous allez battre pour foncer, ou bien vous allez chercher moyen pour nous sortir de crise. Et nous-mêmes, c'est ça nous a prêché. Ça veut dire que je ne vais pas avoir un monde qui est capable de gagner intérêt dans la situation qui est là, pour être capable de dire que diriger par décret, c'est la meilleure formule. Non. Mais ça, ça pourrait être de connaître tout. Tôt ou tard, quelle que soit mesure, quel que soit décret, ça n'a pas bien aucun effet. Sénateur, tout le monde est capable de. Est-ce que vous acceptez pour le travail sur le projet d'amendement électoral? C'est déjà fait par les sénateurs. Ça veut dire que les sénateurs ont cherché plus de garantie dans l'organisation d'élection, c'est normal. Et puisque il y a des préoccupations, et c'est normal que pour que nous battions nos sorties. Puisque tu es déjà un problème qui est déjà posé, ils ne sont pas déjà faits. Donc c'est pas cool, il y a un diable des sénateurs qui est ceci, qui est cela, qui bloque. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a un engagement qui prend hier pendant un contrat? En engagement civil. Non, pas grave, engagement société civile. C'est que c'est une expression de la société civile. Ça veut dire
qui là qui a posé problème, même gens qui a secteur très riche avec les sénateurs, parce que nous ne sommes pas les, tous les détenteurs de reconnaissance. Nous ne pas dire que nous-mêmes qui manager vraiment politique là. Ça veut dire, c'est pas parce que nous sommes pas dire nous-mêmes qui plus macho dans la politique là. Donc nous devons mettre nous à l'écoute de l'autre monde qui peut être capable de notre lecture, qui a aidé nous, pour notre vision, qui est différente.